C'est pas qu'on veut faire la police ni la gendarmerie, mais il faut sécuriser. Il faut pas que tout le monde. Bon, c'est comme on le disait, hein, le travail de récupération que nous faisons, c'est de recréer de la fertilité. Et normalement, cette fertilité, ça crée de la convoitise. Voilà, beaucoup de gens voient déjà que ça, c'est quelque chose que je veux. Bon, il ne faut pas aussi que ça soit utilisé d'une manière abusive. Donc, c'est pourquoi on dit les trois premières années, il faut vraiment empêcher qu'on coupe, qu'on fasse du feu là-bas, par exemple, ou bien qu'on ne vienne encore détruire avec des activités agricoles incontrôlées. Donc, chaque village développe des initiatives. Et donc, dans le monitoring cette année, nous avons pu voir différents exemples de gardiennage, d'initiatives locales qui sont prises par les villages pour essayer de sécuriser les sites. Il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang. Tu ne vois pas, on voit le sang. Voilà, il y a beaucoup de sang. Vous voyez, ils sont nombreux beaucoup. Si c'est là qu'on va laisser dans deux ou trois jours, là, les ailes qui sont ici, là, on ne va même pas voir un. Vous voyez, ça là seulement c'est l'année passée. L'année passée, ça devenait zéro. Ça aussi, c'est la même chose. Ça aussi, c'est la même chose. On est content. Mais la personne qui vient à tasser mouton ici, qu'il y a des herbes ou bien quoi qu'il vient là, moi, je n'accepte pas. Créer un partenariat avec le villageois, voilà ce qui guide un peu notre stratégie à Homme et Terre. Nous apportons la ressource financière pour supporter pour l'exécution. Mais eux, à leur niveau, ils doivent montrer vraiment qu'ils ont, ils mettent aussi de l'autre côté de leur balance des apports, mais aussi les impacts que cela crée, notre intervention crée dans le village. Donc c'est ce que nous monitorons au fil du temps. Et donc le monitoring concerne aussi bien les aspects socio-économiques, mais aussi les aspects de foresterie. On monitore un peu le volume d'arbres à l'hectare, la biodiversité. On monitore aussi la protection des forêts. Et lorsqu'ils arrivent à traiter tout ça, chaque rubrique, chaque critère est noté de 1 à 10. Donc chaque point est attaché une valeur monétaire. Et c'est ça qui permet de balancer, d'équilibrer notre balance de financement pour devenir vraiment des partenaires. Bon, il ne parle pas, mais il me remercie. Moi aussi, je remercie l'arbre là aussi. Donc, c'est comme ça.